Je vais vous ouvrir. Saloperie. Tu parles. Faut bien qu'il les mette quelque part, le déchet chimique. Avant, il les jetait dans la rivière. Tous les poissons, ils ont crevé. Allez, hop. Ah. Tiens, mets ça. Pourquoi faut mettre ça? Il y a des immolations de gaz en bas. Ça suinte de partout. L'air se renouvelle pas. Georges, j'aime pas ça. De quoi t'as peur? J'aime pas les morts. Tire-toi si tu veux, je ferai le boulot tout seul. Si on se fait piquer? Par qui, imbécile? Je sais qu'elle est enterrée ici avec ses bijoux. Ça communique directement avec la crique, viens. Regarde, c'est là. Viens, viens. Hé, il y a notre cercueil. Ça doit être sa fille. Elle est morte il y a quelques années. Va voir un peu là-bas. Il y a peut-être quelque chose à prendre. Moi? Oui, allez, dépêche-toi. Ah!
T'es là, Georges? Mais si vous revenez dans une heure, vous pourrez déjeuner. Ah, come on, let's go and take some pictures of this sign. I'm hungry now. Oh, come on, look, I brought you cameras. I'm not a photographer, I don't want to be a photographer. Look. It's right, it's you. Beginner's luck. I'm an actress. I don't want to be a photographer. I don't even like the morning. I want to go back on the road. Road. Out. Go. Road. Oh. Hungry. I'm hungry, let's go. Greg! Just a minute, you done shooting? No, I'm going to shoot you. Where's my gun? Bang! 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 Would you knock it off? Gladly, Professor. Barbara! What are you doing? I'm knocking it off. I didn't mean it that way. Then what the hell do you mean? I mean I love you. How you always say that, damn it. I always mean it, damn it. But if you loved me, if you really loved me, you wouldn't want to change me all the time. Well, if you don't change, I'll never get to see you again. I'm not a goddamn photographer. I'm an actress. Oh, for Christ's sake. Can't. Why not? You want a business partner, not a wife. I want you. No, you don't. Yes, I do. Well, you don't want to be late for lunch, do you? Thank you.
j'avais de l'argent, je l'achèterais pour moi. Vous savez, un château à ce prix-là, c'est une affaire. Il y a des meubles de style dans le salon, comme vous allez le voir. Pour l'instant, le notaire est à Paris. Mais si vous êtes encore intéressé, vous pourrez l'appeler à partir de lundi. Well, my darling, what do you think? I don't know. I wonder what mother would think. Who knows? Probably she wouldn't like it. Well, anyway, I need a little more time to think about it. Great. Tous les meubles sont vendus avec le château. Regardez la bibliothèque. Il y a là-dedans des ouvrages très rares qui datent du siècle dernier. Ah, vous les Américains, on dit que vous aimez les trucs bizarres. Eh bien, sous ce château, il y a des cryptes souterraines. C'est là qu'on enterrait les châtelains. Vous voyez le piano? Il marche. Je reste à votre disposition si vous voulez revenir la semaine prochaine. Vous n'avez qu'à téléphoner à l'étude pour prendre rendez-vous. Thank you. Bon week-end, messieurs dames. Goodbye. Au revoir. Au revoir. Allô? Ah, c'est toi, Louis. Oui, j'aimerais ça. Attends, je regarde. Tu quittes pas un instant? J'entends du bruit dans le hall. Allô? Non, non, c'était rien. Juste un vieux cheval à bascule. Écoute, aucun rendez-vous avant mardi. Oui, c'est moi qui garde les clés jusqu'au retour du notaire. Tu sais quoi? On vient ici après le dîner et on reste dans le château jusqu'à lundi. Entendu. Je te rejoins dans une heure, le temps de fermer.
c'est tellement beau. Je m'en séparerai jamais. Hélène, je t'aimerai toujours. Tu promets? Oui. Oui, pour toujours. Prouve-le. Comment? Sois ma sœur de sang. Comment? Comme ça. Je croyais que tu me m'aimais pour toujours. Bien sûr. Alors tu dois avoir confiance en moi. Si tu meurs la première, je te suivrai. Si tu meurs la première, moi aussi je te suivrai. Je le jure avec mon sang. Je le jure sur mon sang. Hélène, je t'aimerai toujours, 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 toujours. Allô? Madame Valmont, vous m'entendez? C'est Hélène. Je rentre à l'instant de voyage et... Catherine? Répondez. Répondez, qui est à l'appareil? T'es sûr qu'il n'y a personne, là? Il n'y a que moi qui ai les clés. On va planquer la mob sur la voie de la route. Chez toi. Que c'est de la maison. Petite pendule en or. Bibliothèque.
T'as entendu? C'est le piano du salon, là, à côté. Je sais pas, quelque chose a dû tomber dessus. Tu crois? Bah, oui. Oh, Louis, j'ai les jetons. Faut que ce soit pas stupide, c'est un animal. Un animal? Bah oui, un rat, peut-être. Quoi, c'est le rat qui te fait peur? Tu veux que j'aille? Non, ne me laisse pas. Écoute, ce serait stupide. Louis, c'est toi, Louis. Louis, c'est toi, Louis. Arrête de me faire peur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Catherine. Comment est-ce possible? Tu ne peux pas être vivante. Catherine, dis-moi que tu me reconnais. Oh, c'est horrible, et ces cadavres à côté.
faut partir. Appelez la police. Partir d'ici. Catherine, essaie de me parler. Comment a-t-on pu me cacher que tu étais vivante? Pourquoi on ne m'a pas dit à moi? Je te pleurais pendant que tu étais ici, enfermée, cachée. On m'a laissé croire. Mais pourquoi? Pourquoi? On aurait dû savoir que je t'aimerais toujours, même différente. Il faut partir maintenant. Tout de suite. Tu veux bien venir avec moi? S'il te plaît. Non! Non. Je reste ici. Avec toi. Je te le jure. Viens. Il ne doit rester aucune trace de ce qui s'est passé. Ne pense plus. Nous sommes réunis. Je te garde avec moi.
J'ai touché ton corps. J'ai senti la vie en toi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-le-moi. Take a look. Well, so it's a picture. Craig, it's fascinating. Well, of course it's fascinating. You took it and you're fascinating. Not the picture, her. Look at her face, the way she's dressed. She's what's fascinating. Don't you think she's eerie? I think you're eerie. Maybe you should eat some breakfast. Myriam, qui est cette fille? Ah, je ne sais pas. Attendez, je vais demander au patron. Au fait, qu'est-ce que vous prenez ce matin? Je prends la même chose que grincheux. I'm not grincheux, I'm just sleeping. I thought you'd take more interest in my work. I'm always interested, I just don't always agree. How'd the others turn out? All right, same old stuff. She's the most interesting of the lot. Pity. I don't think so. I'd like to shoot her some more. On dirait la fille Valmont qui habitait ce grand château. Où est-ce que vous l'avez prise? Je l'ai prise hier, dans le bois. Impossible, elle est morte il y a plus de deux ans. I'm going back out there. Ça doit être quelqu'un d'autre. Wanna come with me? No, I got too much work to do. Hey, why don't you stick around? We'll get some things at the market. Myriam, qui d'autre pourrait identifier cette fille pour moi? Je sais pas. Demandez au village. Est-ce que vous connaissez cette fille? C'est moi qui vous donne les 10 000. Elle est morte il y a deux ans. Oh, stop it. Did you hear that? No. It's Catherine Valmont. She died 2 years ago. Oh, sure. Come on, it's a classic case of mistaken identity. It just all seems so strange. Look, it's just a picture of one woman who looks like another woman.
You know how the camera lies. What's so strange about that? She's strange. Just take a good look at her. No shoes, hardly anything on. And the look on her face. I mean, walking through the woods. She looks like she's ready for the booby hatch. I think you are, too. I'm gonna go back there. Find out some more. Well, they also think it's Catherine Valmont. You still don't think it's strange? It's your twin sister. Oh, stop it. Look, you stop it. You're blowing this whole thing out of proportion. I'm interested in her as a subject and a person. If you had any real interest, you'd encourage me. Oh, come on. She's such another beautiful girl, and she's flying away, and they're a dime a dozen. And what's the big mystery? I don't know her. That's the big mystery. Peut-être. Dans ta tête, mes paroles trouvent un chemin. Là, à l'intérieur de toi, il y a peut-être quelque chose, encore inconscient, qui me reconnaît et qui m'aime. Catherine, s'il y a encore de la vie en toi, aide-moi à te comprendre. Aide-moi à te ramener dans ce monde. Fais un effort, Catherine. Donne-moi un signe, n'importe quoi. Je ne peux plus supporter cette indifférence. C'est comme si tu étais morte. Abandonne peu à peu la mort. La vie est en toi, Catherine. Tapis au fond de toi, elle sortira. Parle-moi, Catherine. Fais sortir un son de ta gorge, tu peux. Et... Parle, Catherine. Le... Oui. Hélène. Oui, oui. Hélène. Catherine!
Salut. Vous avez des nouvelles de votre mystérieuse jeune fille? Ben non, justement, je voudrais aller au château maintenant, mais il a besoin de la voiture. Il fait beau, prenez mon vélo. C'est vrai? Oh, super. Merci. Bon, tout à l'heure. Voilà. Merci de vous être arrêtée, mademoiselle, mais il m'arrive un accident stupide. Si je peux vous être utile, c'est très volontiers. Je suis tout bêtement en panne d'essence. Eh bien, montez avec moi, je vais vous conduire jusqu'à une pompe. C'est que ma voiture ne marche que diesel. Il n'y en a pas aux pompistes du village. Je me fais livrer chez moi. Si vous pouviez être assez aimable pour me déposer, j'habite le château qui est à une dizaine de kilomètres d'ici. Bien sûr. Venez, je rentre sur Paris et personne ne m'attend. Qu'est-ce que c'est beau? Prêt. Ce n'est pas à moi, vous savez. Je suis simple locataire. Tout de même, vivre ici, c'est assez fantastique. Je peux vous offrir quelque chose? Je vous remercie. Scotch, Porto. Un peu de Porto, ça sera parfait. Merci. Vous habitez seul dans ce château? Non, bien sûr. Mon mari est parti avec les enfants pour le week-end. Je devais le rejoindre ce matin, mais avec cette panne stupide, ils m'attendront jusqu'à ce soir. Je ne voudrais pas vous retarder. Bon, maintenant, il faut que je parte. Si vous voulez, je vous ramène à votre voiture. Comme vous voudrez. Attendez-moi un instant, je vais chercher mon bidon d'essence. Je vous accompagne. J'en ai pour une minute.
que vous arrive-t-il? Pourquoi criez-vous? Je voulais sortir et tout est fermé. Je ferme toujours derrière moi. Il n'y a pas de gardien, vous comprenez? Excusez-moi, je suis vraiment navrée de... Je me suis affolée, bêtement, pour rien. Nous partons? Mais bien sûr, vous ne voulez pas visiter? Il y a des cryptes qui datent du XIIe siècle. Non, merci. Maintenant, je suis très pressée, on m'attend à Paris. Il faut que je parte. Comme vous voudrez. Nous allons passer par le garage, j'ai fermé les portes. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle? Ouvrez! Yeah.